Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou Écoute, ça va très très bien et toi Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit deck euh, UB Flash, Dimir Flash qui fait plaisir à l'archétype qui s'est créé, qui s'est ouvert euh, avec euh, Ikoria du coup notamment par des cartes comme Brunier Usé, Rampfollé, Chauve-Souris, Acte Cruel, franchement des cartes qui font plaisir, qui font très très qui plaisir Qui nous ont été demandées surtout Qui nous ont été demandées, ouais, euh, <laughs> c'était un, un des decks euh, qui était très demandé pendant le stream d'AP Merci beaucoup encore à tous ceux euh, qui sont venus nous voir et on Rappelle que cette vidéo du coup est sponsorisée par Wizard, merci beaucoup à eux. Alors, non merci pas sponsorisé beaucoup. dans le sens où ils nous payent pour la faire, mais sponsorisée dans le sens où ce compte avec toutes les cartes euh, d'IU euh, et de tout euh, Magic Arena en fait nous est prêté par Wizard pour l'événement d'avant-première. On en profite pour faire des vidéos également euh, le lendemain du stream, euh, histoire de prendre un petit peu d'avance. Donc, ça, ça, ça fait toujours plaisir. On rend ce compte euh, tout à l'heure à 15h et donc Bien du sûr. coup nous ne disposons pas de 856 000 gemmes euh, et de 10 000 wildcards évidemment. Voilà, 10 000 wildcards de chaque, ça ferait plaisir, je vous cache pas que j'aurai quelques années d'avance mais, euh, mais non je ne les ai pas. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup à Wizard pour l'événement. Comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, la petite page Utip, le petit code ValetPL2020 sur la boutique Magic Bazaar, notre sponsor. Merci à eux qui vous donnent un booster en fonction du montant de votre panier au moment de la commande. Euh, Utilisable par tout le monde, nouveau, ancien client, une seule fois par contre. Merci à tous. Code créateur Magic Arena FR dans l'Epic Game Store. Du coup, euh, ah, pour répondre à ceux qui nous ont demandé, il y a plusieurs questions. Est-ce que ça nous rapporte si jamais vous achetez, vous achetez un truc à 0€ sur la boutique Epic Game Store Eh bien, ça fait 5% de 0€. Donc ça fait Donc zéro. Ça ne nous rapporte pas. Voilà. Mais merci en tout cas euh, d'avoir essayé. Cette decklist euh, qui s'inspire grandement forcément de, euh, de la decklist euh, Mono Bleu ou euh, su, euh, mince. Simic Flash. Simic Flash ou même UR Flash en fait, les versions Flash qu'on a flash, eu précédemment ouais. dans le standard. Mmh. C'est juste que là il y a un archétype en 10 avec pas mal de cartes noires qui a été poussé, notamment grâce à Bride Nuit Rusée et rampe folée et du coup, ça donne ces versions-là qui sont quand même très sexy, moi, je trouve. Ouais. J'ai envie de dire, encore plus que Bridgner Usé, c'est surtout Rampfollet, Acte Cruel, Chauve-Souris. Parce que Acte ouais, Cruel te permet d'avoir un très, très bon anti-bet, ce qu'on qu n'avait pas trop dans le standard actuel, enfin, d'aussi bon anti-bet que ça. Et Chauve-Souris, mmh. eh ben, c'est une menace euh, flash, vol, qui euh, a des bonnes stats et qui, en plus, peut détruire créatures ou planes Walker. Donc, c'est de la gestion supplémentaire. Et on sait ça que. Ça tue tes qui invalident notre deck. Et ça, c'est très important. Ça c'est très important de pouvoir faire ça parce que les, les deck flash, sinon, devaient beatdown des Teferi, ce qui est pas toujours simple. Donc euh, c'est un peu plus compliqué. Alors que là, dès qu'elle mute, donc soit en mutant sur une créature, soit en recevant une pieuvre sur elle, <coughs> et ben elle détruit une créature et Ça c'est très stylé, carrément. Pour le reste, c'est plus simple de muter la pieuvre sur la chauve-souris que l'inverse. Euh, c'est moins cher. Ça vous permet du coup de, voilà, de payer moins de mana. Ça peut mm -hmm. être intéressant de, de le savoir. Yep. Enfin, euh, ça vous permet de le faire en deux tours en tout cas, si jamais. Euh, le rampe du coup un peu clé euh, qui va permettre de piocher des cartes chaque fois qu'on joue un sort avec le flash euh, et de faire un point de dégâts à l'adversaire donc très très fort, c'est pas nous qui prenons le point de dégâts c'est l'adversaire, donc ça c'est très bien le brin qui va réduire le coût de toutes les créatures les, des sorts flash pardon de 1, donc il y a des sorts que vous pouvez jouer qui ont le flash qui ne sont pas forcément des créatures, ça marche comme ça les de d'achat pour un de moins important. Ça permet de muter pour un de moins parce qu'elles ont le flash. Voilà. C'est pas, pas parce que c'est mutate, c'est parce que les créatures ont le flash. C'est ça. mais ça rend un contre-carable. Cool. C'est un petit upgrade aussi. Et en plus, donc ça veut dire que dans les mirrors, celui qui a brine usé il est quand même plutôt avantagé pour le coup. <laughs> Super bien. Ouais. Pour euh, la base donc, qui existait déjà, c'est Marin Spectral, Suriner, Emprunteur, Étanchement, Dispute Mystique. On a également Neutralisation, le nouveau contre qui permet, si jamais il y a un Teferi ou rien à contrer, de recycler pour trouver des, des réponses, etc la pieuvre qui fait un taf incroyable c'est pour ça que l'archétype est bien et bon pardon c'est parce que a une obsession curieuse en flash en la personne de la pieuvre fonceuse des mers qui permet de faire piocher des cartes à chaque fois que la bête euh, que, enfin que cette bête ou que la bête du coup sur laquelle elle est mutée touche l'adversaire ça c'est nice Excellente carte. Et un petit one-slot du grand requin vorace. Ça beat down quand même. Hein. Quand vous faites fin de tour requin, le mec il a 4 tours, hein, sinon il est mort. Ça, c'est notre âme d'enfant. Hein. Avec pierre Louis. Ouais. on adore les gros requins. Je suis pas sûr que la carte soit incroyable dans l'archétype, mais c'est un gros requin, donc on n'y coupera ouais. pas. C'est un gros requin euh, qui est 5-4 et qui contrecarre un sort d'artefact ou de créature. Donc euh, en termes de beat down, c'est vraiment très très vénère. Hein. Quand vous y dites il non est... à ta créature et j'ai une 5-4, il est très stylé, il se brosse pas souvent les dents visiblement, et en même temps, ça lui prendrait trop. deux jours. Donc, euh... Et il y a trop de dedans. Euh, les landes, euh, on a fait confiance, donc euh, là c'est une des listes inspirées de celle de Brian Gottlieb, enfin, on a changé 2 trois cartes, mais euh, pour ouais. les ratios sinon on est à, à peu près à la même chose. Il euh, lui, il joue des trios, mais pas des passages merveilleux, euh, pourquoi pas, euh, ça donne accès aux deux couleurs, ça se recycle, donc c'est pas mal. L'avantage c'est que c'est un bilan supplémentaire pour l'archétype, ça se recycle en late game, et donc du coup quand tu restes up avec un contre, et eh ben, si jamais tu rien à contrer, ça te donne l'avantage, ben, la possibilité de le recycler pour piocher une carte. Là où les passages merveilleux, c'est bien parce que ça permet de retirer des terrains de ton, cimetière, de ton deck et d'avoir moins de chances d'en piocher. Mmh. Je pense qu'il valorise le fait de pouvoir recycler le terrain plutôt que de baisser tes ratios de terrain dans ton deck. Yep. C'est un exactement. choix, on va lui faire confiance. Euh, et lui aussi, il avait pensé aux deux châteaux d'entrée, c'est un château Loctwine qui sont mieux, euh, assez cool euh, pour le late game. En espérant que ça ne disrute pas trop nos sorties, parce qu'on a quand même très envie d'avoir nos landes dégagées. Donc, euh, ça devrait votre, aller avec 24 ans. Notre, notre mana base était un peu plus. <laughs> Euh, lisse en termes de sortie, mais manquait parfois un peu de, de mana coloré Peut-être que la sienne, du en coup, c'est euh... le problème dans cette decklist en termes ouais. de mana coloré C'est ça, c'est un mana bleu, deux mana noir au tour 3. Euh, sachant que si vous voulez contrer au tour 3 avec neutralisation, il faut deux mana bleu, donc déjà vous pouvez pas faire les deux. Enfin, euh, il vous faut euh, deux bilans si vous voulez pouvoir faire les deux. Et, euh, et pas fou le combo, qu'est-ce qu que je fais 10 mir flash. Et Allez, donc, voilà. let's go On est parti. On va tester ça. Allez, ouais. c'est parti. Chaud, chaud patate. On précise qu'on part en BO1 parce que le BO3 est pas possible pendant les API Coria et on a encore en, entre guillemets pendant les API Coria. Et de toute façon partir en BO3, c'est-à-dire s'adapter au méta, bah c'est pas forcément facile puisqu'il n'y a pas de méta prédéfini Donc là on va juste jouer des games de BO1 pour tester les nouvelles mécaniques au-delà d'essayer de, 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 de méta call, de, de, de s'adapter et compagnie. Parfait. Allez bien bon, cette main. On va pas marre inspecter le tour, hein, mais c'est pas grave parce que ça buffera sur une heure et là on a envie d'aller chercher peut-être un autre mana noir pour en Hmm. Alors, je crois qu'il faut quand même des landes, même si la pieuvre elle est incroyable. C'est dommage, ouais, on va aller chercher des landes là, mais euh, la pieuvre était très sympa. <coughs> ok, ah, ah, bon, nickel. Là, on va faire voilà, juste heal, heal, heal. Et sur Inner. Yes, on va pouvoir commencer à jouer euh, à la fin du tour de notre adversaire. C'est le but des decks Flash. On rejoue contre Rusty Nail qu'on a déjà affronté hier soir pendant le stream. Je ne sais pas ce qu'il joue là. Sur Inner, je crois que ça c'est nice. On va pouvoir. Je vous dégager. Je dégagé, on fait Follet, deux points. Et Follet fin de tour, tranquille Bilou. Ce qui est stylé avec l'archétype d'Imir, c'est qu'il a l'air d'être moins frustrant pour les joueurs qui détestent Flash, parce que tu joues tout en flash, mais c'est quand même un plan de jeu créature, il y a plus de créatures que de contre en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'au-delà de jouer des contres, on joue des anti bêtes en fait on joue juste des créatures qui ont un intérêt à jouer fin de tour et quelques interactions. Et du coup ça sera beaucoup moins frustrant que les gens qui tombent souvent contre les decks flash en ladder et qui ont l'impression de ne pas s'amuser en fait. En fait, c'est un peu un deck un gros tempo plutôt qu'un deck euh, tempo contrôle. C'est ça. Rob Fully. Donc, je, je pense que la mécanique d'Imir est poussée parce qu'elle est un peu moins frustrante pour les nouveaux joueurs aussi. Alors, là, je vais pas tuer ça parce que je sais qu'il va pas bloquer. Bon, on va Donc juste bourrer. J'ai plutôt en hein. envie de garder mes contres, etc. Ouais, on va juste bourrer. Alors, ce sont les sorts avec le flash et non pas les sorts joués pendant le tour de votre Donc, euh, si je vous compterai un spell, ça ne compte pas. Ouais, Ce serait pété, bon, on a Vous imaginez, de... pour 3 je compte, je peux chier une carte, tu perds un point de vie. <laughs> on a plus de cartes flash que de, que de contre-sort, donc, euh, donc dans l'ensemble ça va. Il va proposer de tuer Ramfolé, en tout cas il a ciblé remfolé, ça sent le bon Crusher Giant, si tu veux mon avis. Ouais, donc je pense que je vais rien faire. Le... Ok, 1 point. Bah tu peux quand même marin inspect Ah non, si tu un spectral, tu peux pas de neutralisation. Pas donc euh, moi je serais enfin tu Là je le tue en 2 tours, donc euh... s'il ne développe rien, il a perdu. Donc ça me sert à rien de. <coughs> T'as raison. De autre chose. Ah j'ai un chat dans la gorge. Euh, fais des souhaits. <coughs> un 4, mmh. ça bloque bien. Mais je peux la tuer. Tamba. Et si tu la tues, tu prendras bonne crusher giant en réponse. Ouais. This is a low. Non vas-y résous. On va dire ok. C'est pas grave, on met quand même toujours 3 points maintenant. Non. mais ben non, tu prends bonne crusher giant, tu fais ça. Ouais, mais euh, du coup en réponse, je mets mes barres spectral, je buff sur winner. Ouais. Je crois euh, pas que ça soit. Et je pêche une carte et il perd un point de vie. Je, je serais pas. Je serais plutôt d'avis de continuer à bourrer moi. Ouais. Parce qu'en fait là si je joue rien, je peux pas passer, ça fait des souhaits. Bah et si, si tu mets quand même 3 points. Ouais. Enfin, tu je me mets trouve, 3 points et tu Ouais, je pense, ouais. Ok. Phase attaque. Il est quand même en position où il prend des points euh, alors que nous non, donc ça me va en fait. Il va la remonter dans sa main. Ah voilà, là il bouge. Bonne C'est on dit euh, Là faut que je contre. oula ouais. non, pas recyclé That... Ouais. Quoi Non, je pouvais pas la buffer. Hein. Oh, ouais, non, c'est ça. J'ai dit une connerie, c'était parfait. Ah sinon, j'aurais fait euh, sur une heure marin marin et le mec aurait fait. Oh je pense qu'il joue Temur Adventure ah, avec deux. un. il a la double Bonne Crusher Violent. Il joue Temur Adventure avec un, un fin de curve son de la Song of Creation, je pense. Ok on trouve pas de mana ça va être pas trop. Ouais je crois que je vais acte cruel là pour beatdown. Ouais, vas-y vas-y. De toute façon, je peux pas protéger mon rampe folée, donc... On va <coughs> faire ça. Et si jamais tu joues un marin spectral ici, tu as le droit de peut-être trouver un land pour lander. Ouais donc c'est pas mal en fait. Ça doit avoir du sens. C'est Ce pas le cas. On va pas, on va pas loin. Perd un point de vie, il perd trois points de vie, il est à cinq. façon magique qu'importe ce qui se passe, si vous trouvez pas de mana, vous gagnerez pas la game. Ouais, C'est complexe. Là, il va commencer à faire nimp. Ouais, je pense que cette game, on l'aurait gagnée juste avec un ou deux mana de plus. Ouais, bah ça nous aurait permis de protéger et en même temps de de servir, j'ai envie de dire. Protéger, servir. L'armée de terre recrute. N'oubliez pas. Oh la propagande. Euh, temple de la tromperie. Yes, vas-y, trompe-le, je suis chaud. Temple de la tromperie, en fait, c'est un temple. T'as l'impression qu'il te donne du mana Dimir, mais en fait, il te donne du mana Simic, mais tu le sais pas. Mais c'est mieux. C'est gardé. Ouais, là, on veut nous land euh, Si j'attaque, il va double bloc. Donc, je vais juste rien tôt. faire là. Ouais, donc c'est pas bien. Ouais, ça va. Il y a ce petit jeu, je devrais m'en sortir peut-être bien ouais. Que là tu vas commencer à piocher plein de cartes avec Follet, et tu peux juste le tuer à distance en fait en jouant toutes tes cartes flash. Genre là tu peux faire bride nuit une tout sur une tu lui as collé deux, tu as pioché deux. C'est quand même magique quoi. Ouais. Alors là, il a il a quand même passé deux géants, donc j'espère qu'il en a pas un troisième parce qu'avec trèfle ce serait chiant. Il a pioché combien de cartes histoire qu'on rage 17. OK. Il va chercher deux cartes dans sa bibliothèque euh, dans son side pardon. Tu pourrais euh, décider de et compagnon en réponse là maintenant. Dans le cas où il allait chercher des disputes ou des conneries comme ça. Décider de quoi Je pas entendu. T'aurais pu jouer Rampfollet et Bride Nuit. Pardon, pas Rampfollet. Bride Nuit et Suriner. Dans le cas où il allait chercher des disputes. Des Mystical ouais. Disputes. Alors, il allait chercher Sion Royo. Je peux Pour faire instant, en réponse pas... à la deuxième. Bah Est-ce que c'est le play Je pense que c'est le play, moi. Non À moins qu'il puisse aller chercher Flamme Swipe. Ah, s'il prend Flamme Swipe, t'es ouais. euh, pas bien. Donc, euh, ouais, non, il faut pas, en fait. J'ai des bêtises. J'avais peur qu'il qu allait chercher un contre, en fait. En fait, il va chercher un compte. Je vais lui proposer un truc. Il va le contrer. Et à mon tour, moi, je vais oh, faire bah, paf, 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 paf. Si j'ai un land, pif, paf, pouf. Il va Avec chercher jet. jet. Ok, oh, il est veut nous tellement tuer. ambitieux. Ah, mais c'est pas pour tout de suite, quoi. Alors que nous, on va probablement le tuer là. Mais il peut faire sion royal. Fin de tour. Là, voilà, je de, de nuit. Bruit de nuit. Et normalement, euh, il devrait pas avoir de Mystical Dispute Mendeck, mais... Il peut jet Il pourrait. Ah non, il peut pas. Bon, parfait. <coughs> ouais, on réponse. Comme ça, au moins, on utilise bien la capa de rampe Et est-ce qu'on n'a pas l'étale au point près, le tour d'après euh, Je crois pas parce qu'il nous renvoie deux bêtes là. Ouais, mais. Attends. Si on n'avait pas euh, manqué de mana, on, on avait l'étale. Ah putain, ouais, on faisait double rampe folée ça suffisait. Parce que là, Alors je attends, ici peux... si, il faut. Attends, je peux acte cruel, boons. Si, si, on a l'étale en fait, je suis con. Mais non. Oula, pas retirer des marqueurs. Ah oui, tu actes cruel et tu boons. Oui, en ouais. fait on n'est pas obligé de. passer par. Ah oh, ok, bien joué. Ah, on voulait euh, tuer par le beau jeu, mais mais en fait on peut juste tuer nécessaire. par euh, les règles de Magic ouais. c'est pas mal comme ceci hop là. bien joué ok oh, elle était nice euh, cette game ouais bah si on avait juste trouvé un land un moment donné ou deux ah, euh, ouais, vraiment carrément. on en aurait été beaucoup mieux dans la game mais ça va on est bien sorti quand même bon oh, là on vient littéralement de battre Temur Adventure hein. aucune nouveauté et c'était un bon deck du format donc ça ouais. c'est de bon augure pour l'archétype Dymir je pense qu'il jouait euh, Temur Adventure Chant. avec son gove création Ouais, sachant que lui il a possibilité de fetcher dans son site ce qui est pas notre cas tu vois. Is it about my cube? Bien. Parfait. Putain on fera jamais la sortie marin dans pieuvre elle est tellement cool cette sortie. Ouais. Voilà bon, tu, fais, tu fais marin je pense quand même. Hein. Ouais je suis marin. Fin ouais. de tour. J'ai de 2, il sort du, du montrer qu'on a pas besoin de ça. Mais. Genre nous on est chaud, on a peur de rien. 1000 oh. en fait, decklist à vous proposer vous êtes pas prêt pendant les jours à venir ça va être fou ce qui fait plaisir en plus dans Icoria, c'est qu'on pensait que les compagnons allaient être nuls en vrai ils sont tous jouables c'est trop bien euh, tous euh, attention bah site 1 qui est pas jouable en tout cas où il n'y a pas de decklist qui a profité de son, euh... de son la 3-2 pour 3 pour l'instant qui, qui le euh... qui copie les spells, ouais. enfin moi j'ai pas vu Ouais l'utrice ouais okay. Ouais ok parce que même le renard j'ai vu des DL Mais tu vois genre à part l'utrice il y a une decklist Pour tous les compagnons euh, oh, Là on prend deux pev Ah quoi que non t'as rien à faire à part abri de nuit C'est mieux de, de t'ouvrir en folie C'est mieux en ouais. en vrai Ouais, à, part, à part Lutris qui a des, des intérêts ailleurs genre typiquement en, en cube pour des archétypes storm ou alors en, en commander même mmh. si elle est bannie bon entre vous faites ah ce que vous voulez c'est une bonne carte hein, c'est juste que euh, j'ai pas trop vu d'application mais le renard t'as vu les trucs toi tous les autres compagnons il y a une decklist qui est sortie qui est viable qui a l'air compétitive quoi, et ça ça fait grave plaisir tu l'as vu jouer dans quoi le renard ça m'intéresse alors j'ai pas forcément compris le deck c'est Gabriel Nassif qui a posté une decklist incroyable avec Kinan euh, et plein d'activations en fait OK. Voilà, tu vois ce que ça fait Kinan Ouais, ça réduit de 2 le coût des activations. Mais en standard Kinan Non non, K Kinan c'est le truc pour 7 tu révèles le dessus de ton pack et tu mets un permanent. Oh, ouais ouais, en standard. C'est pas C'est le truc ça qui double tes accélérateurs de mana Kinan. Ah oui. Ouais non, mais euh, je parlais de compagnon. Bah, le compagnon le renard, il le joue dans un pack qui joue Kinan ou adore ah, plein d'accélérateurs. J'avais okay. pas compris, excuse-moi. OK, ouais, je vois. Ouais, je vous invite à aller euh... voir le Twitter de Gabriel Nassif. Il a posté une decklist avec le renard et ça avait l'air super. Un point, on va rampefoler. Au pire, on aura un contre si jamais. Et c'est bien. Ouais, l'onde est bien. Bah, le contre ou rampefoler, tu te dis quand même, bon, peste ou choléra quoi. Ouais. Après, il faudra trouver des landes pour pouvoir euh, être méchant. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il nous propose le monsieur S'il propose rien, on se met trop trop bien avec rampefoler ici. Oh bah parfait, je vais laisser ça résoudre. Passe. Tant que ça ne se met pas en travers de notre plan de jeu, on est parfait. Peut-être un build elem Ouais, probablement. Un mec qui joue simi-cochon sur rampe, sinon, okay. ouais, simi-cochon, mais ça serait quand même peu nouveau. Ramp for lay. Le ramp for ah, ah super. Bah écoute, Un petit land. Phase d'attaque avec tout. -le. Mais sauçons-le. Mais saucez-le, votre cochon. Oh, et puis là, on est ouais. trop bien en vrai. Hein. Non, on peut piocher avec marin, on peut boon avec emprunteur, ouais. on peut contrer, ouais. on peut brinuir ruser. Ce qui sera la meilleure des cartes si notre adversaire fait rien. Grave. Marin qui est tellement une bonne carte. J'adore. Il nous manque la petite pieuvre quand même. Hein. Il manque la petite pieuvre, ouais. Oh, oh tu ouais, vas jouer va. en fin de tour avec rampe folle. Sur Marin Spectral, pour demain là, hop, là, je piche une carte, tu perds un point de vie, et mon Marin Spectral devient une 2 de fly, qui fait pucher des cartes. Régalade En vrai, l'archétype est trop trop doux, ouais. quoi. Tu sais pourquoi j'adore ça Parce que... Euh... Oh là là ça C'est Ça, ça dégage, en fait. Ouais. Euh, c'est un archétype, où en fait... <coughs> enfin, euh, c'est un standard, où tout le monde veut faire toujours plus, plus, plus des gros trucs de la rampe et tout. Et ça, ça revient au basique, tu vois. C'est des petites créas, un peu de contre, un peu de ouais. boost Voilà, et je vais gagner juste comme non. ça. Je te mets deux trois points et je suis capable de dire non, non. Euh, de manière assez fréquente et, euh, et ça passe très bien quoi. Oh j'adore. Si j'étais coquin, j'aurais pu briller une nuit pour essayer de trouver un land mais bon, je suis pas assez coquin. C'était effectivement un peu trop coquin. Il bah, ou Bah Nous aussi. Hein. Assez ah, non. Je suis hein, désolé, si... le mec veut essayer de s'amuser mais mais nous on n'a pas. On joue des nouvelles cartes. Enfin, il n'a il a pas les droits en fait, on va pas le laisser faire quoi. C'est nous qui avons les droits là. Nous on a les droits ouais. du fun. Ce qui est bien, c'est qu'on ce a le droit a... de vie ou de mort sur son fun. Tu vois ce que je veux dire C'est assez horrible ce qu'on ah, fait. Ah mais exactement. Mais ce qui est bien, c'est que Jimir, Flash, euh... il a de la rich. Bah ouais, mais non, encore une fois quoi. Des euh... S'il leur stream, ça, ça ils va, va nous refaire. détester. Ah, les streamers comprends. les détestent. Bah, ah, coup, je suis one off si je fais bride nuit emprunteur. Du coup, on fait pas. Du coup, on fait pas. Et on va encore dire non avec euh, étanchement euh, Bah, là, en vrai, je suis, suis tenté de faire rampolé pour le mettre 4 points. Avec mes créa flash. Il va peut-être cut son stream à cause de nous, mec. Hein. Est-ce que ça fait de nous des, des horribles personnages Là, il ah, fait pas contrer. Ah, je peux pas. ah non, tu peux, on peut pas contrer. Enfin, je peux, mais il se passera rien. Euh, euh... Bah, rampolé, je crois. <coughs> bah, je laisse passer d'abord. Ouais. Ah, tu pouvais trouver. une du et l'obliger à payer 3 Bon, c'était un peu. C'était un peu quelque chose, quoi. C'était un peu. Franchement, euh... oh, voilà. il paye 2 pèves. Oh, l'erreur. Il a 4 mana. T'as ça. Je pas Il va ou regagner ou des PEV, Ouais, tu comprends. Ouais, bah, s'il regagne des PEV il a plus euro. Ouais, ouais, mais bon. Fait chier quand même, non bah, Là, on attends. est sur le gagné, si tu veux. Si, s'il gagne pas de PEV je fais rampfolé. Double créature, il est mort juste avec la rich. Hein. Ouais, mais il va aller gagner ses pèves. Dans tous les cas, il est mort, mais au moins contre. Ah non, contre si contre, si il gagne ses pèves, il a plus au on le beat down. Non, il peut pas. Donc je fais. Okay. Oui, mais là, si tu comptes, on va quand même gagner, non Bah, c'est pas dit, parce que je peux pas attaquer, je peux pas le tuer. Et je peux pas remporter. Ok. D'accord, vas-y alors. À ah, moins que je ne boons. Si je peux contrer boons. Et c'est bien. Il me semblait, hein. Bon, pour moi, tu fais ah ouais. contrer boons. Et Avec le, le boons, c'est ouais, bon. <coughs> Hop là. Ouais, j'ai pas attendu la la fin du tour parce qu'il avait plus de mana. Voilà. Et voilà, bien joué. Formidable fort, ce deck. Formidable ce deck. C'est vrai, c'est formidable. Ouais, ah moi j'adore. Ouais, moi en fait j'aimais pas trop euh, Simic flash parce que c'était mesquin, tu vois. C'était gang, 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 Alors que là, il y a une certaine noblesse. On essaye de se dédouaner. Ça c'est la game de trop, je vous le dis. On essaye de se dédouaner, mais je pense que c'est tout aussi mesquin en fait. Depuis tout à l'heure, on est là, ouais, mais c'est des cartes flash. So, il y a moins de contre. Il y a un peu plus d'interaction. C'est des bêtes et tout. Les Gens là ils vont, ils vont pas être contents, je pense. Ouais, il y a un petit peu le côté euh, on euh, euh, Non, ouais. non, mais euh, vous inquiétez pas, euh, c'est pas ce que en vous pensez. C'est <laughs> <laughs> pas ce que vous pensez. Si, si, c'est bien ce qu'on pense. Enfin, un peu lent, non. Non, non, mais, mais je, je sais pas pourquoi. Euh, mon... Moi qui aime pas trop affronter Flash, pour le coup, je prends un, je prends un peu de plaisir à jouer cette decklist. Est-ce que tu dirais que c'est un malin plaisir Je prends un malin plaisir, ouais. Ah Je suis coupable ah le mirror Le mirror. Ah lui la faire before. la sortie. Ah nous on fait jamais la sortie pieuvre et nos adversaires tout le temps. Ouais. Ah, ça on va. a déjà fait un mirror hier et en fait il a commencé en faisant marre spectral. Et, et on l'a perdu. Euh, perdu parce qu'en fait à chaque fois qu'on faisait un truc il faisait contre et comme c'est lui qui a commencé on l'a perdu. Euh, je vais faire un va Acte ici. cruel. <coughs> ouais, alors fin de tour poulpe. Ah tu ah. peux acte cruel sur l'inner Ouais, ce que je vais faire. Parce que Hop, ça ça m'évite des points et c'est chiant quoi. Ça ça dégage. Oh, et en plus, quand le surveneur commence à avoir des marqueurs, il ne prend plus acte cruel. Oh là là, oh. ce deck est méchant contre lui-même, c'est dire. Grave. Land, end of turn. On va passer le tour. Alors le premier qui passe vrille de nuit, il a l'air il a quand même plutôt smooth. Hein. C'est pas gentil ça quand même. Hein. Je le tue ou je l'étanche le... je, je crois que je vais le tuer plutôt. <laughs> je le tue ou je l'étanche Tue-le tue Seulement, euh... hop, Alors Notez noter que vous pouvez retirer jusqu'à trois marqueurs d'une créature ciblée. Donc, vous pouvez cibler une créature et ne lui retirer aucun marqueur pour lancer quand même un spell en flash et trigger vos autres cartes. Ah, un spell, c'est pas mal. À ça trigger temps. notamment les suriners ouais. so On, a pas trop ah les bon, on pourra lui. faire fin de tour, bride nuit, tout c'est pas mal. Et ça, c'est bien. On a plus de cartes que en main que lui, mais s'il continue à piocher des... des landes. Et nous non, ça va être chiant. Emprunteur. Là, du mal à enchaîner les landes. Hein. C'est fou, hein. Vas-y, on va dire non encore. Ouais, parce que là, s'il commence à enchaîner les landes, on ne pourra pas euh, quench. Parce que ses sorts coûtent, Mais... très... coûtent pas cher, pendant. Mais nous, pour, euh, pour enchaîner quatre landes, c'est euh, toujours. Euh, bah, c'est le bout pff, du complexe quand même. Et eh ouais, bah écoute. Hein. Il a encore une menace. On n'a plus rien là. Ah si, on a encore neutralisation. c'est si, sûr, si, on a encore cancel. Il a pas pioché. Il a pas pioché fin de tour. Ah bah oui. Ah oh bah. Ah parce qu'il avait peur de prendre une, une gestion en réponse. Ah peut-être ouais il doit avoir un, un contre ouais. Ok. Bon au moins on Donc, sait qu'il a un contre. de nuit. Ouais ça me va. Ou remfolé ah c'est peut-être mieux tu, tu peux donner remfolé pour être sûr de passer de nuit uh, sur inorble ouais. le, le tour d'après. Ouais, il laisse passer il va faire anti bête. Ouais il doit avoir acte cruel mépris acte mépris. C'est pas mal. acte cruel pourquoi tu joues à mépris ah pour booster tes propres bêtes c'est pas con. Ou alors il joue les deux c'est possible aussi. Ah il y avait ah, des quel dans cette plaisir! Liste. Euh, fin de tour. Ouais, pas son tour. C'est bien en fait, euh, d'habitude vous jouez pendant votre tour à Magic et vous regardez ce que fait l'autre. Et là, Alors là je tu peux pas prendre passer votre tour. Instantanément, je pense. Là, je peux passer bris de nuit. Et, euh, je sais pas euh, ce que ça vaut, mais au moins il est là. C'est pas mal. Moi j'aime bien quand euh, même. Ouais. Je garde mon mana pour faire euh, sur au cas où. C'est ça. Parce que si je me full tape, il va en profiter pour faire des dingueries. Donc. Grave. Alors que là, tu lui fais, euh, tu lui fais croire que t'as un contre encore. Ouais. Là, je tente sur une heure. Ah bah c'est, ça va résoudre quoi. Enfin, ou alors il faut qu'il fasse anti-bet in to contre. Anti-bet in to contre. Ah bah il est bon. Ah non. Il est pas assez bon. <laughs> Est-ce qu'on va mutate Je pense. Euh... Oh, c'est non ça. Hein. C'est non parce qu'en plus il nous trade donc c'est méchant quoi. Ouais et on peut plus contrer derrière. Est-ce que je mets là tu... sur une heure Ouais je pense. Allez, je Comme tente. ça on, on est tous les deux un petit peu low en carte et au moins on se refait un peu davantage. Euh, je préfère en 2-2 qu'en 2-1. Bah, tu préfères surtout qu'il qu continue à gagner ses marqueurs non C'est pas mieux d'être sur une heure Mais il est toujours sur une heure. Ouais mais il continuera à gagner... Ah d'accord oui pardon ok. Ouais il y a les stats Ouais ouais ok ok pardon j'ai des conneries t'as raison. Il faut que je me familiarise avec Mutate Ouais les, les nouvelles mécaniques sont un peu euh, Un peu trickseuses de cerveau Ouais Là, si Non mais en c'est simple à comprendre C'est juste qu'il faut que je prenne le, le temps d'eux Ouais mais tu sais il y a plein de petites subtilités Genre euh, le fait que Là. au dessus au-dessous Ce soit les stats et le nom et le type Ah bah il a trouvé Sapio euh, Aussi le fait que quand tu Mutate c'est pas un, sur un humain Donc euh, Plein de petites spécificités Moi je j'aurais Remfolé ici par contre pendant ouais. qu'il n'a pas de mana pour contrer. Ok, rembolé. Ouais. Et on Trio. pourrait triompher parce qu'on a encore besoin de mana. Engagé et on pourra nice. central ou sur Inner. À ce rythme-là, on garde le beat down. Ouais. le Problème, c'est qu'il pioche aussi des cartes, quoi. Ouais. Ah, elles sont pas évidentes à jouer ces, ces games de, de Dimir Flash Mirror là. Elles sont, elles sont rigolotes. Ouais, je tente ça. Carrément. C'est quand tu castes ou quand un spell résout avec oh, C'est Quand tu quand on lance. C'est bien ça. Ouf. Il a contré avec le requin. Par contre, on va quand même mettre un marqueur sur la pieuvre. Et piocher avec Waouh, il est quand même énorme ce requin malheureusement là. Là, j'ai envie de, de Rampfollet du coup. Non. Ouais, ça me va. Bah, là, tu veux tout jouer vu qu'il a plus de mana. Enfin, il a que deux mana à dégager. Tu peux jouer Bride Nuit, tout Marin. Enfin, si je fais Bride Nuit, je fais sur heure. Ah ouais, Bride Nuit, tout Sur heure, pardon. Là, faut tout jouer maintenant. On sait qu'il a pas de compte. Il faut poser un board assez gros pour tenir son aggro et essayer de le tuer à distance et se refaire une main de ouf, quoi. Ah, sur c'est bien. Là, on commence à être bien, là. Je vais Temple. Dommage qu'on ait pas eu un mana dégagé. Ah non, ça. Oui, enfin, c'est pas très grave. J'aurais pu des Landes, c'est bon. Et là, je peux garder ça en vrai. Non, tu veux que je le passe maintenant on sait que tout passe, mais... Euh... Tout passe Et coup. comme ça ne joue pas d'anti-bête de, de masse, au moins tu es sûr de prendre le board ici. Ok, marin. Il passe vite. On va pas attaquer parce que c'est quand même gratos. <coughs> euh... Enfin, ça lui donne une magie cette chauve-souris, elle va faire extrêmement mal le tour d'après. Ah bah là, pour 5 mana, on va tuer ce... cette pieuvre ou ce requin. les dépend. En vrai, s'il attaque pas avec le requin, vous mettez la pieuvre. Ouais. Il a plein de cartes en main aussi, mais nous on a le board. Là on lui met 4, hein, juste avec nos deux bêtes. Moi je tuerais quand même le requin pour être sûr de. En fait, pour proposer de tuer en fait. Je pense que tu le tues ouais. là. Tu proposes. Euh, on tuer, de... Euh... De mutationner. Euh, on veut transformer quoi euh, Ça plutôt. Ouais, ça revient un peu au même de toute façon. Vas-y, vas-y. <coughs> oh, et on pioche plein de cartes et tout. Trop bien. Yes. c'est Incroyable hein, comme carte. Oh, oh. Yes! We beat the mirror, guys. Oh là là, c'est le 3-0, c'est France-Brésil, ça fait plaisir. Incroyable. Ah, viens, on s'arrête là, pas de game de trop. Ah non, c'était la game de trop qui n'en est pas une. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partagez-vous de comme d'habitude. Si vous voulez nous soutenir, si vous nous suivez, pardon, sur les réseaux sociaux, il y a Facebook, Twitter, Discord dans la description. Ainsi que nos deux chaînes Twitch euh, bientôt, qui n'en seront peut-être plus qu'une, mais en tout cas vous pouvez follow les deux quand on fait des événements sur l'un et sur l'autre en même temps, comme euh, comme un événement qui risque d'arriver peut-être euh, tantôt, je ne sais pas, peut-être, ou qui est déjà arrivé. Oui, qui est déjà arrivé en fait. Euh, c'était le week-end dernier. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle musique.